Une première fissure très importante avait été repérée sur le réacteur 1 de la centrale. Avant un second, plus petit mais tout aussi dérangeant, découvert sur le deuxième réacteur. Trois jours après la découverte d'une première fissure profonde sur une tuyauterie du système de refroidissement du réacteur 1 de la centrale nucléaire Fanli, une seconde a été repérée, cette fois sur réacteur 2. Ce sont les agents d'entretien de l'EDF qui ont repéré les crevasses. Ils se distinguent en particulier par leur taille, le premier est de 23 mm de profondeur. Sur une tuyauterie qui mesure elle-même 27 mm, tuyauterie. Sur le deuxième réacteur, la fissure mesure 57 mm de long, pour une profondeur maximale de 4. Dès que la première fissure est découverte, l'incident a forcé l'autorité sécurité nucléaire de classer le réacteur 1 au niveau 2 l'échelle INES. Cette échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques place un événement de niveau 0 au niveau 7. C'est la corrosion qui aurait causé ces défauts sur le réacteur. Un phénomène bien connu à Fanli, qui a déjà vu plusieurs de ses autres réacteurs être endommagés par la corrosion. Fissure maxi, cependant, la situation actuelle est plus inquiétante. Les fissures précédemment repérées n'étaient que de 6 mm. Ensuite, les défauts précédents ont été découverts dans des zones identifiées comme sensibles et donc particulièrement surveillées. Ici, les anneaux maxi se sont développés en dehors des zones sensibles et sont donc restés en dehors des radars. Cependant, le soudage sur lequel la première fissure était repérée a fait l'objet d'une double réparation lors de la construction du réacteur. Il y a 40 ans, le risque, en fin de compte, serait une fuite sur le circuit de refroidissement du réacteur. S'il n'y a aucun risque de rejet en dehors de la centrale électrique, l'eau qui s'échapperait est toujours contaminée et faiblement radioactive. EDF a convoqué pour réviser sa stratégie de contrôle l'Institut Radioprotection et de Sécurité Nucléaire a réagi à l'identification ces deux nouvelles fissures. Pour le directeur général adjoint Karine Herbiot, cette découverte est « au-delà ce qui est acceptable d'un point de vue sécurité ». Ce mercredi, avant la découverte de la deuxième fissure, le président d'ASN a soumis le sujet devant les sénateurs. Ce ne sont pas des micro-anneaux, a insisté Bernard Dorochtchouk. ASN demande à EDF d'améliorer ses méthodes de stratégie et de contrôle. Cela ne signifie pas que ce défaut ne peut pas apparaître ailleurs. Nous avons donc demandé à EDF d'identifier rapidement les cas similaires qui peuvent exister sur d'autres réacteurs pour pouvoir contrôler ces soudures. Désormais, EDF devra reconnecter toutes les soudures qui ont été réparées dans le passé.